Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se plonge tous ensemble dans les courants littéraires et plus précisément pour cette première vidéo, dans le réalisme. Alors si je devais vous citer quatre auteurs de réalisme, sans hésiter, je vous cite Balzac, Flaubert, Zola et Maupassant. Quatre auteurs de classiques qu'il faut absolument avoir lu une fois dans sa vie. Le réalisme, c'est un mouvement culturel et littéraire qui est apparu au 19e siècle, plus précisément entre 1850 et 1890. Donc si je devais vous donner une définition du réalisme actuellement, je vous dirais que son but, c'est d'exprimer le plus fidèlement possible la réalité sans pour autant l'idéaliser. Donc les histoires vraies sont privilégiées dans ce courant littéraire. Et les personnages doivent être le plus vraisemblables possible, donc on doit pouvoir s'attacher à eux, on doit pouvoir les comprendre. C'est vraiment en fait amener peut-être des personnages d'il y a 200 ans à l'époque d'aujourd'hui et qui nous semblent vrais et que leur histoire ne soit pas rocambolesque. Donc pour ce courant littéraire, il est très important de se documenter, d'avoir des descriptions, parce que par exemple, le physique d'un personnage doit être décrit de la manière la plus objective possible. Et toute description doit être minutieuse. C'est-à-dire par exemple que je vais vous parler du type que je vois là-bas et si je dis juste bon bah il avait un t-shirt rouge, et ben mon avis n'est pas assez objectif pour être réaliste. Je dois par exemple donner des détails sur son visage en disant bon bah il avait des petites ridules sur le côté des yeux, ses cheveux bruns étaient longs aux trois quarts, enfin bon, ce genre de description. Par exemple, l'écrivain comme Zola ou Balzac veut sembler le plus vrai possible. Il représente le réel tel qu'il est pour lui. Il l'implante dans son histoire. L'auteur recrée son monde réel pour d'une part analyser les comportements humains et d'autre part analyser les problèmes sociaux. Donc ici la description prendra soit une valeur informative, soit une valeur symbolique. Par exemple, on pense à l'heure actuelle que d'écrire parfaitement un lieu, ou même juste d'écrire un lieu pas à la perfection, permettait de comprendre la psychologie humaine ou la psychologie du personnage en particulier. Pour les auteurs de réalisme, l'art réside dans le fait de montrer en fait, de mettre en lumière les classes populaires qui ne sont parfois pas mises en avant, qui n'ont pas forcément leur place dans les récits d'il y a fort fort longtemps. L'idée du réalisme, c'est de n'exclure aucun sujet. Tout doit être annoncé, on doit parler de tout. Donc il faut savoir qu'il y a une certaine objectivité à avoir en lisant du réalisme, c'est pour ça que l'écriture est réalisée de manière très impersonnelle. Parce qu'en lisant, en fait, on va avoir envie forcément de critiquer, de se poser des questions. Et c'est tout ce qu'arrive à faire Maupassant ou Zola, qui sont vraiment des monuments de la littérature. Donc j'ai réussi à trouver dans des archives un petit extrait d'un petit bout d'article de Champfleury pour Le Figaro en 1856. Et j'ai trouvé cet extrait juste fabuleux. Donc je vais vous le lire pour partager ça tous ensemble. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Le romancier ne ressemble pas au président de cour d'assises, dont le résumé impartial et fidèle tourne presque toujours contre l'accusé. Le romancier ne juge pas, ne condamne pas, il expose les faits. Il y a aussi ce côté assez fort et puissant dans le réalisme, c'est le côté assez pessimiste sur la destinée de l'humain à travers les siècles, à travers ses livres. C'est quelque chose d'assez poignant qu'on retrouve très souvent, donc je vous invite à vous informer là-dessus parce que vraiment c'est un côté de la littérature qu'on ne soupçonne pas et qui pourtant est un point clé. Enfin, de mon côté, je trouve que c'est un point clé et j'aime beaucoup me documenter un petit peu sur tout ça, donc je vous mettrai peut-être quelques liens en commentaire si j'y pense. Mais vraiment, c'est un côté super du réalisme que je trouve et que j'avais envie de partager avec vous. Si je devais vous citer 4 œuvres plus ou moins connues sur le réalisme, je vous dirais déjà Stendhal pour Le Rouge et le Noir. Une œuvre majeure et super importante que vous avez dû étudier au moins une fois dans votre vie. La femme supérieure d'Honoré de Balzac, que j'ai pu lire il y a fort longtemps et que j'avais beaucoup apprécié. Le fameux Louis Aymon Duranty dans Le Réalisme. Ce livre-là, je ne l'ai pas encore lu, mais j'avais vu que c'était un super classique. Donc faudrait que j'essaye de vous le lire et de vous en faire peut-être un retour sur la chaîne YouTube, je ne sais pas. Il va falloir que je vois, en plus avec le confinement c'est peut-être l'occasion. Et maintenant on va parler d'un auteur, il fait beaucoup parler de lui, beaucoup de polémiques. Il s'agit de Frédéric Beigbeder dans L'amour dure 3 ans. Je vous lis quand même quelques textes et citations d'auteurs très connus. Donc Stendhal, Maupassant, je vais vous en faire deux juste pour conclure cette petite vidéo. Par exemple, dans Stendhal et Le Rouge et le Noir, nous avons « Et monsieur, un roman est un miroir qui se promène sur une grande route. Tantôt, il reflète à vos yeux l'azur des cieux, tantôt la frange des bourbiers de la route. Et l'homme qui porte le miroir de sa hôte sera par vous accusé d'être immoral. Son miroir montre la frange et vous accusez le miroir.
Accusez bien plutôt le grand chemin, où est le bourbier, et plus encore l'inspecteur des routes qui laisse l'eau croupir et le bourbier se former. Donc passons maintenant à la lecture du second extrait dans le livre Le réalisme de Louis-Edmond Duranty. Le réalisme conclut à la reproduction exacte, complète, sincère du milieu social de l'époque où l'on vit. Cette reproduction doit être aussi simple que possible pour être compréhensible à tout le monde. Soit que l'écrivain aille de lui-même chercher les sujets d'observation ou qu'il vienne s'offrir naturellement à lui. Qu'il entreprenne de peindre la société entière ou qu'il se borne à son petit coin personnel, il faut qu'il ne déforme rien. Cette question devient tout le réalisme pratique. Donc vous l'aurez compris, le réalisme c'est de peindre le plus fidèlement possible la réalité. Donc il y a beaucoup d'œuvres majeures à découvrir, j'essaierai de vous faire une petite liste en description de vidéo parce que c'est vraiment un sujet majeur et intéressant. Donc on peut aussi retrouver le réalisme dans la peinture. Pour le moment le seul peintre qui me vient en tête c'est Gustave Courbet. On va vous mettre quelques petites toiles de ce peintre en image sur la petite vidéo, donc je sais pas où mais on verra. Il est maintenant temps pour moi de conclure cette vidéo. J'espère que ce nouveau contenu vous aura plu et qu'il vous aura plongé dans vos cours de français pour ceux qui ont passé le bac très longtemps comme moi, ou qu'il vous aura donné envie de découvrir des auteurs de classiques. Sur ce, je vous fais mille bisous et je vous dis abonnez-vous !